Salut tout le monde, Kim Labrennan pour ceux qui ne me connaissent pas. Je voulais vous parler de mon petit truc cette semaine, c'est d'aller chercher le plus de nouveaux contacts possible pour éventuellement planter des graines qui vont peut-être arriver à pousser éventuellement. Dans le fond, qu'est-ce que je fais moi pour aller chercher des nouveaux contacts pour continuer d'élargir mon cercle? C'est vraiment les événements. Moi, j'adore faire des marchés. Là, il y a des règlements là, à suivre avec Sensi. Tu iras vérifier dans les standards c'est quoi les règlements en ce qui concerne ça. Mais là, en ce moment, c'est vraiment les marchés de Noël qui commencent et qui va battre son plein. Et moi, quand je fais des événements, j'ai une façon de faire. C'est je prends un petit carnet de vente que j'achète, OK, au Dollarama. Ça ici, c'était pour le Festival des Montgolfières à Gatineau. Et juste avec ça, j'avais 76 personnes que j'avais ramassé leur numéro de téléphone, que j'ai contacté 2 semaines après. Et il y en a 60 qui m'ont répondu pour avoir des échantillons gratuits par la poste. Donc là, je suis rendue à faire le suivi avec eux, savoir s'ils ont bien reçu, s'ils ont aimé, leur offrir de passer une commande avec ma prochaine commande groupée, etc. Mais ce que je fais, c'est que je prends leur nom ici, puis leur numéro de téléphone, j'écris rapidement là qu'est-ce qu'ils ont pris, deux barres, etc. Puis comme ça, moi, je peux faire le suivi avec eux après. Parce que dans les événements, avant, je ne le faisais pas, je ne ramassais pas les noms de ceux qui m'achetaient. Puis ben, ça ne devenait pas vraiment mes clients. Ils ne me rappelaient pas spécialement. T'sais. Fait que faut toujours prendre de l'avance parce que ce n'est pas une priorité pour les gens. Sensi, oui, OK, ils ont peut-être pu tirer, leur ampoule est brisée. Elle fonctionne plus, leur réchaud ne fonctionne plus. Mais tout le monde a une vie super occupée. Toi, c'est ta job en tant que conseiller, conseillère, de contacter tes clients et de leur faire comme « Hey, as-tu besoin d'autre ça? Hey, as-tu besoin d'une ampoule? » Parce que la plupart du temps, oui, les gens vont dire « Oh non, je suis correct, j'en ai pas besoin pour tout de suite. » Mais ça m'est arrivé souvent aussi que les gens m'ont dit « Ah, oh, je voulais t'appeler justement. Je voulais t'appeler justement. Mon ampoule est brisée, ça fait 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. » Donc, ça, c'est une façon, OK, dans les marchés, de vraiment prendre les contacts non numéro de téléphone pour faire les suivis. Une autre façon aussi, c'est que j'ai un programme de référence que je ne publie pas sur les réseaux sociaux, mais un programme de référence fait que chaque fois que quelqu'un me réfère une personne qui va acheter, si la personne achète, je dis à ma cliente, OK, ben là, faut qu'elle me dise la personne qu'elle a été référée par toi, mais je te donne une barre gratuite ou un cercle aromatique gratuit s'ils ne sont pas proches de chez moi pour envoyer par la poste. Si c'est quelqu'un qui va faire une démonstration grâce à eux, là, je vais donner peut-être un car bar pour l'auto. Si c'est une personne qui va joindre mon équipe grâce à cette personne-là, je leur offre un mini réchaud de leur choix que j'utilise avec mes 50 %. Mais ça, c'est une promotion personnelle, fait que tu n'as pas le droit de l'afficher sur les réseaux sociaux, mais j'en parle à mes clients à tous les 3, 4 mois. Mettons, je vais envoyer un message. Oh, je voulais juste te rappeler, si jamais tu as des gens qui aiment Sensi puis que tu me les réfères et que grâce à toi, ils achètent, ils font une démonstration, une fête ou ils joignent mon équipe, s'ils me disent ton nom, ben moi, je vais te donner ça. OK? Ça, c'est une façon. Faire des levées de fonds. Isa, elle a fait une vidéo là-dessus. Ça peut être une façon vraiment incroyable d'agrandir ton cercle. Faire des portes ouvertes. J'ai plein d'autres idées. Des fêtes à domicile, ça, pour vrai, c'est aussi un gros plus. J'ai eu une fête en septembre. Puis là, j'ai 10 nouvelles clientes. Grâce à cette cliente-là, à sa fête, on en a réservé une autre que j'ai la fin de semaine prochaine. Puis là, je vais avoir encore des nouvelles personnes que je ne connaîtrai pas qui vont être là. Fait que ça, c'est mes petits trucs. Aller chercher des nouveaux contacts, ce n'est pas terminé. Le mois n'est pas terminé. On est rendu à peu près à la mi-chemin. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Aller chercher des nouveaux contacts. Au revoir.